Oh, les salopes! J'aime pas ça, les chauves-souris. Excusez-moi. Donc, toujours notre priorité, le mec qui peut nous freeze la gueule. Ça va, il a résisté et l'autre, ça a pas marché sur lui. Par contre, Benzaï continue à prendre cher dans la mouille. Il va dodger. Ah non, même pas. Ah, je pensais qu'il dodgerait. Là, j'aurais pu tenter un effet de zone puisqu'ils étaient tous les trois là et que j'ai tapé sur celui du milieu, mais enfin. Esquive! Tu sais ce qu'on va faire, toi? Évidemment, ça marche pas. En fait, contre les... Oh, c'est esquive, non, tu ne voleras pas dans mes poches. Allez, réussis, réussis. Évidemment. Mais Benzaï, il est passé en mode esquive là, il est trop heureux, genre... Ah, peur de personne! C'est très con ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû finir... J'aime pas entamer plusieurs ennemis, j'aime bien me concentrer sur un seul et le terminer. Titre, titre et titre. Allez, mange ça dans ta mouille! Voilà, ça c'est fait. Quelle heure est-il, chers amis? 11h, ça va, on a encore une heure devant nous. Ok, donc bah écoutez, moi je vais continuer la run jusqu'à ce que qu'on perde en fait. Hein, make the user indictable. Ça sert complètement à rien celle-là. Tiens, prends-la toi. Vous êtes un groupe uni contre l'adversité. Bah j'en suis ravi. Restez comme ça ce coup. Benzaï, j'ai oublié de soigner Benzaï. Tant pis, tu passes ton tour, mais là, faut pas déconner. Hein. Ah bah heureusement que je t'ai soigné, mon vieux. J'ai complètement zappé. Tiens, si on laissait Benzaï avec 2 PV, quoi. Enfin, 1 PV, pour le coup. Ils veulent pas... Là, franchement, si on passe... Oh là là. Si on passe ce fight, ça level up, normalement. Allez, s'il te plaît, imperfect. Oui. Ah ouais. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Yé, bim. T'inquiète pas, ça va être ton tour. The ghost of stay. Avec un blast pareil. Tu m'étonnes que tu te caches dans les cases. Des cases. Dans les caves. RIP Benzaï, on l'aimait bien. Non, non, il va pas mourir. Ah bah non, c'est Gandoul Fett qui est morte. Pardon. Bon bah c'est pas grave hein. On va finir ça avec les deux qui nous restent. Bouffe ta flèche, ça c'est fait. Vous inquiétez pas, on va pouvoir la raise, c'est juste qu'on va se bouffer un point de... D'ailleurs elle va raise avec plus de PV, donc c'est un mal pour un bien on va dire. On va prendre des points de KO, mais... Mais il va raise avec plus de PV. Par contre du coup il prend pas l'XP. Alors la laser jacket... Toi, t'as déjà un truc. Par contre, toi, non. Et voilà. C'est beau. Oui, 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 oui. Je sais. Revive. Allez, reviens. Ok, tout va bien. En fait, tant que les trois ne sont pas morts en même temps, y a pas trop de soucis. J'ai pas envie d'utiliser... Là, normalement, c'est le moment voilà, où je peux faire un party rest, vous voyez. Mais je ne veux pas l'utiliser. Alors que mes deux persos viennent de level up. Il y a juste Gandoul Fett qui a un peu besoin de se soigner, donc je pense qu'on va plutôt utiliser ça. Par contre, on va rééquilibrer les tentes de couchage. On va en donner un Gandoul Fett, comme ça ils en ont un chacun. Et on est good. C'est quoi ça? It's create a camp at which all party members may... Mais il a une regain focus. Au niveau des focus, on n'est pas, c'est pas non plus critique. On n'est pas vraiment dans la merde. Allez. Merde! Mais non! Ah putain! Mais ce fail! J'essaie de rester calme, mais j'ai envie de m'engueuler en fait. Poppy, t'as déconné, bordel, pourquoi t'avais ça?
Ah non, c'est tellement mal joué, putain. Non, mais vous avez vu, je vais économiser, je vais le garder, parce que là, franchement, c'est pas utile. Je viens d'utiliser une putain de plante de soins en plus. Et j'appuie sur le mauvais bouton, bordel, c'est pas vrai, quoi. Un coffre, s'il vous plaît, un coffre. Non, évidemment. C'est un mimique. Donc le jeu a décidé que ça serait dur. Ça serait dur pour ce premier run. Avec vous. Voilà. Ah, putain, mais des claques, des claques. Ah, mais attends, c'est Benzaï qui est abonné au fail d'habitude. Ouais, mais attends, on est les potes de Benzaï, donc forcément, tu dois bien te dire qu'on n'est pas potes pour rien, quoi. Arrête de sautiller joyeusement, là, tu me saoules. Sipi, sipi. Ouya, oui, bah ça c'est pas gentil, hein? On t'a déjà dit que t'étais une salope de coffre? Je crois pas, non. Bah je te le dis, t'es une petite salope de coffre. J'ai déjà buté 4 ou 5 mecs de ta famille, j'ai plus peur de toi. Mais... alors, le petit collier qui nous donne un mouvement bonus. Ah, c'est bien ça, plus 3 speed. Et toi, t'as quoi? Maximum de vie, maximum de vitalité, ouais. Et toi, ça te donne du speed, un bon bonus. Bah, on va l'équiper sur Vincent. Et c'est parti! Ça me fait pareil avec les tablettes de chocolat, je veux le garder. Elles finissent dans mon ventre par accident. Oui, je comprends. Donc, dans les caves, vous avez des pièges. Je vais appeler ça des grottes, parce que dans les caves, à chaque fois que je dis dans les caves, je trouve que ça a une consonance un petit peu dégoûtante. Donc on va parler plutôt des grottes. Quand vous êtes dans les grottes, il y a des pièges à désarmer. Donc vous avez ce piège-ci qui est en gros, il y a un petit wagonnet qui descend et qui essaie de vous shooter quand vous passez. Des fois, vous avez des haches qui sont suspendues de chaque côté, et si vous ratez votre rôle, ça vous coupe en petits morceaux, vous perdez des PV. Donc là, en gros, le minecart trap, vous avez le choix, soit vous le désarmez, vous pouvez utiliser des focus, ou vous comptez sur votre chance de gros cocu pour réussir vos trois rôles. Soit vous avancez, c'est-à-dire que vous faites passer un perso par un perso, et si vous avez de la chance, ça passe. Si vous n'avez pas de chance, ça passe pas. Donc soit vous utilisez des focus, ou vous n'utilisez pas de focus en essayant de faire passer vos persos. Moi, je vous conseille quand même d'en utiliser qu'un seul. De prendre qu'un seul perso. Et de maximiser ses chances. Plutôt que d'utiliser les focus de chaque perso, ou de perdre trop de PV sur ce genre de piège à la con. Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Alors, on a deux archers. Et une petite saloperie qui a de l'armure. Donc on va se concentrer d'abord sur celui qui a de l'armure, parce qu'il va être chiant à buter. Surtout si Benzaï rate ses coups, alors qu'il a que deux coups à réussir, franchement. Il a que deux rôles à réussir, à chaque fois il rate. Faudra qu'on m'explique. Ok, donc toi tu rates, mais tu me mets quand même des points. Toi tu réussis, mais tu me fais pas grand chose parce que j'ai un bouclier. Putain, bah voilà pourquoi on le focus lui, hein. Ah, ça pique. Si je le fais en perfect, il y a moyen de... Oui. Il y a moyen de kill... Non, même pas. J'ai pensé qu'on pourrait le finish... Ça c'est good par contre. On va faire un petit dégât de zone. Voilà, comme ça on les affaiblit pour les potes. Steadfast, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, mais Gandou le fait. T'as pas le droit de remourir, hein, t'es déjà morte, hein. C'est hors de question que tu repartes... tu repartes aux oubliettes, ma petite. Putain. Il veut trop qu'on ait... Il veut trop qu'on claque, en fait, je crois. Benzaï, il a pas envie qu'on gagne, quoi. Ok, il en reste un. Ne tire pas! Non! Esquive! Je vais faire comme les enfants, je vais pleurer.
c'est ça. M'en fous, fais monter mon chaos de toute façon. À la fin de cette quête, ça dégage. Il nous reste 5 rounds. Putain. Bâche. Toi, t'as de la force. Ah bah tiens, bah, tu rates. C'est beau. Encore. J'avais un lockpick, hein, c'est juste que je me le suis fait voler. Ok. Donc ça, c'est des mages qui vous volent du focus. Et c'est très relou. Alors là, dans l'idée, on va peut-être se concentrer sur les petites connasses qui l'entourent. Par contre, lui, il fait très 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 mal, donc... J'espère juste qu'il va pas prendre Gandoulfette en cible tout de suite. Oui! Bien joué! Bien joué, Benzou! Fais pareil! Oui! Bien joué, Vincent! Ah, vous me plaisez quand vous faites des trucs comme ça. Non. Ouais, on va pas prendre le risque de foirer un rôle. Lui, c'était sûr qu'on pouvait le kill, si... même si on ratait 3 morceaux. Tu m'as fait quoi, là? T'as essayé de faire quoi? Ah, je crois qu'il a essayé de me filer une curse, mais comme je suis immunisé, ça a rien fait, en fait. Ah, dans ta gueule. Ok. On continue. Bon, un PV. Non, Poppy, c'est pas lui que tu visais. Tu perds des tours quand tu fais des conneries comme ça? Tu t'en rends compte ou pas? Ouais, je me parle à moi-même. Ouais, j'ai pas peur. Oh, putain, un coup critique, t'aurais pu lui mettre 14, quoi. Franchement, t'aurais pu faire un petit effort. Un esquive! Bah jusque là ça se passe bien, on esquive quand même beaucoup. Allez, toi tu dégages. Je vais arrêter de dire que ça se passe bien parce que c'est généralement quand je dis que ça se passe bien que je perds. Donc on reste concentré. Et on lui ouvre le cul. Il m'a baissé mon armure, donc il va me foutre une tatane sans doute au tour d'après. Attends, mais ça c'est de l'armure magique. Donc en fait je suis peut-être pas obligé de lui faire des coups de snipe. Oui, bah c'est bien quand vous le faites. C'est un beau tour pour rien. Bon, heureusement qu'elle esquive parce que sinon là c'était fini. On l'a jeté à la poubelle là quand vous le faites. Là pour le coup, j'aurais pu tester de faire un taunt pour que l'ennemi n'attaque pas Gandoulfette et attaque plutôt Vincent, vous voyez. Ouais. Ça aurait pu être bien, hein, mais je l'ai pas fait, vous voyez, parce que bon... Je réfléchis toujours après, donc... c'est bien. Tout le monde est... Surtout, quand nous fait, ce serait bien qu'elle level up. Alors ça, je n'arrive pas à l'utiliser. Amara, c'est toujours là ou pas? Parce que s'il sait, j'aimerais bien qu'il me dise. À quoi ils servent, ces rouleaux, là? Les rouleaux de portail. J'arrive pas à les utiliser, je comprends pas comment on les utilise. Ah oui. C'est quoi talent? Plus 3 armures, plus 3 résistances, plus 5 évasions, plus 3... plus 3... Ouais, ouais. Moins 3 talents, par contre c'est moins cool ça. Bah écoute, c'est pas grave, tu vas mettre ça. Pour l'instant, t'as pas autre chose. Ouais, elle va peut-être pas non plus... déconner. Ah, on est arrivé au bout. Tadada. Regardez le chaos, il va s'enlever. Barre-toi, le chaos. On veut pas de toi chez nous. Paniquer ta mère.